encore une belle journée au paradis. Grave, une belle journée à me faire bolos. Ah ça va, t'es pas exploité non plus. Bah si. Ouais j'avoue. T'as été très vite convaincu hein. Non mais regarde un peu tout ce qu'on a créé ensemble. L'univers, le soleil, la terre, les humains. Pourquoi ils sont tous morts? Alors, ils sont pas morts hein, ils bougent. Non mais je déconne pas, y'a la moitié des humains qui sont morts là, ils bougent plus hein. Oh, mort. Oui c'est bien Lucifer, mort. Bon, tu m'expliques pourquoi y'a la moitié de la terre qui est crevée là? Attends, tu parles des gens dans l'ombre là? Alors, ça s'appelle la nuit, mais oui, bah ils sont pas morts. Tu te fous de ma gueule? Ça fait des heures qu'ils bougent plus là, ils branlent quoi? Ils se prennent pour des légumes? Non, ils dorment. Ah oui, ils dorment, oui. Mm-hmm. Tu sais pas ce que ça veut dire? Pas du tout. T'as vraiment oublié ça? Le dodo? Le dodo? C'était pas l'espèce de petite poule de merde qu'on a explosé? Mais non, enfin oui, mais dodo, genre le sommeil, la nuit, les rêves, dormir quoi? Ah oui, attends, ça me dit quelque chose. C'était quoi déjà? C'est une période pendant laquelle les humains se reposent. Ah. Donc pas mort? Non Lucifer, pas mort. Oh. Mais ils sont obligés de faire les Maccabées pendant 8 heures pour se reposer? Ah bah encore y en a qui le font pendant 12 heures hein. 12 heures? Putain mais c'est la moitié de la journée? Oh j'avoue on dirait vraiment qu'ils sont morts hein. Non mais celui que tu regardes il est vraiment mort par contre hein. Ah putain mais c'est galère ton truc, comment tu sais s'il dort ou s'il est mort? Bah lui il est décapité donc généralement c'est pas signe de bonne santé quoi. Donc si j'ai bien compris, les humains vont dormir quand ils sont fatigués. Ouais enfin ils vont surtout dormir le soir on va dire. Bah ils sont pas fatigués le soir? Non généralement ils sont surtout fatigués le matin au réveil. Attends t'es en train de m'expliquer que les humains ils vont dormir le soir en étant pas fatigués, ils se réveillent le matin, ils sont fatigués. Alors que la veille ils étaient pas fatigués et qu'ils ont dormi. C'est ça. C'est très con. C'est toi qui l'as fait. C'est très intelligent. Mais ça les fait pas chier d'attendre 8 heures sans bouger? Non parce qu'ils rêvent. Putain je suis le seul à me souvenir de ce que c'est le sommeil. T'es payé pour ça l'ange. Je suis pas payé. Je reformule, je te garde en vie pour ça l'ange. Je préfère. Je crois. Bon et du coup c'est quoi les rêves? En gros y'a leur cerveau qui leur passe un film pour que le temps passe plus vite. Oh sympa. Ouais enfin parfois ils font des cauchemars et leur cerveau veut les tuer dans leurs rêves. Quoi? J'adore. Attends mais comment tu peux oublier ce que c'est le sommeil alors que toi-même tu dors? Moi? Je dors pas. À chaque fois que je viens pour te demander un truc, t'as les yeux fermés et tu bouges pas, tu fais quoi alors? Attends, tu me voyais? Bah bien sûr que je te voyais, tu faisais de légumes. Ah merde, je croyais qu'en fermant les yeux j'étais invisible. Ah oui on en est là quoi. Ah oui je te vois. Merde! Bah attends, et quand ils dorment du coup ils sont sans défense, ils doivent se faire tuer en masse non? Non, parce qu'ils sont moins cons que toi et qu'ils dorment dans des chambres. Ok, et c'est quoi les trucs sur lesquels ils dorment là? Des lits. Ah, ça y est, ça te revient? Ah non, j'ai juste pris tes notes. Ah oui, donc y'a vraiment plus de respect quoi. Et sur les lits, y'a des matelas et des oreillers. C'est ça ouais. C'est quoi ça? Ta plus belle création. Et dans ma main c'est un oreiller. Ah ouais, ça a de la gueule hein. Ah bah ouais je veux, c'est Emma. C'est qui Emma? Eh bah c'est ça. Bah c'est pas un oreiller? Si c'est un oreiller Emma. Il y a aussi les matelas Emma. Et c'est quoi la différence avec un oreiller et un matelas normal? Le matelas Emma c'est une mousse à mémoire de forme, accueil souple et soutien ferme. Une pépite. Ah oh mais c'est trop bien ce qui avait ça. Bah c'est toi. J'ai vraiment des problèmes de mémoire. Bref, c'est le matelas le plus vendu en France depuis 2019 hein. Je peux te dire qu'avec ça les humains ils passent les meilleures nuits de leur life. Ouais mais Le prix? En ce moment, c'est les Winter Sales, donc t'as jusqu'à moins 50% sur tout le site Emma. Et t'as aussi moins 10% supplémentaire avec le code BADZER valide 6 mois. Mais t'as des garanties au moins? 10 ans de garantie, livraison et retour gratuit, sans nuit d'essai. Ah oui, y'a vraiment aucun risque. Bon, écoute, je mets tous les liens en bio, comme ça les humains pourront aller checker le site et utiliser les codes pour se faire plaisir. Ah bah grave, c'est un investissement à long terme qui leur fera du bien, ils vont pas regretter hein. Et en plus, avec ça, ils pourront. Manger? Non, ils pourront dormasticalocapathie. Putain, ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Dormir, dormir, on en parle depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, les humains qui font les légumes toute la nuit. Bah au final, dormir, c'est un peu un essai gratuit de la mort pendant 8 heures. C'est assez effrayant de se dire que t'as raison. Mais pourquoi y en a qui se cachent sous la couette? Oh, ils pensent que la couette, ça les protège des monstres et des tueurs. Ok, donc ils sont aussi cons que moi. Y'en a même qui pensent qu'il y a des monstres sous leur lit. Ah ouais, ils sont vraiment teubés. Ouais, grave, ils sont trop bêtes. Lucifer? Non, t'as pas mis des monstres? Non, ah, j'en ai mis aucun. Sous leur lit. Comment ça, sous leur lit? T'en as mis où, Lucifer? Non, mais j'ai créé des paralysies du sommeil, mais juste pour tester, comme ça, quoi. C'est quoi ça encore? Bon, en gros, les humains sont paralysés dans leur lit et ils sont bolossés par des monstres imaginaires. Mais pourquoi t'es obligé de foutre des monstres? Tu peux pas juste les empêcher de dormir? Oublie ce que je viens de dire. Non, gentil, Lucifer, couché. Je vais créer des insomnies. Putain! Bon, et sinon, maintenant que tu te rappelles de ce que c'est le sommeil, m'en rappelle toujours pas. J'avais quelques questions à te poser. Merde. Comment les humains peuvent connaître la sensation de tomber d'un immeuble dans leur cauchemar s'ils l'ont jamais fait? Eh ben... Et si jamais ils rêvent qu'ils dorment, est-ce qu'ils doivent se réveiller deux fois? Alors, Et pourquoi ils éternuent pas quand ils dorment? Et de quoi rêvent les aveugles? Générique. Mais à tes aides d'ailleurs.